The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Juge président, je suis très lent. Le fait d'être lent permet à chacun d'arriver dans le prétoire. Et cette fois-ci, ce n'est pas du fait de l'interprétation. Bonjour, monsieur Mangou. Bonjour, monsieur le président. Nous sommes réunis et c'est la troisième journée de votre interrogatoire. Si l'équipe de la défense est d'accord, nous allons commencer lentement cet interrogatoire. Et sinon, nous attendons. Maître Altit. Monsieur, pas d'objection. Thank you, Mr. Knops. Maître Knops. Monsieur le Président, bonjour. Pas d'objection. Juge Président. Bien, nous n'allons pas aborder les plus grosses questions maintenant, mais je vois que le bureau du procureur est au complet. Ils sont là. Monsieur le procureur, c'est à vous et je crois que nous avons eu raison de commencer lentement. Le procureur, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Mangou. Bonjour, Monsieur le procureur. Nous allons poursuivre ou revenir là où nous étions lorsqu'on a connu des problèmes techniques qui, si je comprends bien, ont été résolus. Alors, je reviens... au communiqué. Alors, je vous ai montré celui du 11 mars, hier. Vous avez donné votre réponse et là, j'allais vous présenter celui du 18 février. Et je répète, pour les fins de l'enregistrement, pour qu'on se situe. Donc, pièce de l'accusation 0074-0079. À l'onglet 465, nous allons présenter cette vidéo ou cet extrait de la minute 25-36 à 28-30. Le transcrit correspondant se trouve à l'onglet 530 et c'est le 0087-0644. Et pour ce qui est du transcrit, si je ne m'abuse, c'est uniquement cela. Je vais juste confirmer les lignes. Alors, le transcrit, c'est de la ligne 5. Jusqu'à la ligne 39. Donc, le transcrit en lui-même. Merci. Evidence Channel 2. Nous recevons à présent les forces de défense et de sécurité en la personne du porte-parole, le colonel-major Gourou Babri-Hilaire. Bonsoir, mon colonel.
Nous écoutons. Décret numéro 2011-59 du 18 février 2011, portant institution d'un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 60-209 du 27 juillet 1960 portant création des forces armées nationales, vu la loi numéro 61-209 du 10 juin 1961 portant organisation de la défense et des forces armées nationales, vu le décret numéro 67-332 du 1er août 1967 relatif à la participation des forces armées au maintien de l'ordre, vu le décret numéro 2010-42 du 25 mars 2010 portant attribution des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2010-309 du 5 décembre 2010 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2010-312 du 6 décembre 2010 portant nomination des membres du gouvernement, vu l'urgence, décrète, article 1er, un couvre-feu est institué sur toute l'étendue du territoire national du vendredi 18 février 2011, s'il vous plaît, au dimanche 20 février 2011, comme suit. Vendredi 18 février 2011, de 22h à 6h00. Samedi 9 février 2011, 19 février 2011, de 21h à 6h. Dimanche 20 février 2011, de 21h à 6h. Article 2. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées. Article 3. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense et du Service civique sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d'urgence ainsi qu'au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 18 février 2011, Laurent Gbagbo. Merci, mon colonel. I'm just confirming that it would. Le procureur. Je suis désolé, j'ai chevauché l'interprétation. Donc, désolé pour ce petit retard et ce chevauchement. Décret, Monsieur Mangou. Alors, c'est un décret pris par le président de la République pour instituer un coup de feu. Le décret de couvre-feu n'est rien d'autre qu'une interdiction qui est faite à la population de sortir à un moment de la journée, généralement de nuit, pour permettre aux forces de défense et de sécurité de mieux faire la sécurisation de la zone concernée. Est-ce que, petite question de précision justement sur cette question d'adoption de couvre-feu, vous aviez-vous, c'est-à-dire vous-même, avez-vous pris quelques couvre-feux de votre propre initiative durant la crise post-électorale? Non, je n'ai pas ce droit. Je ne peux que proposer au président de la République un couvre-feu. Et durant la crise post-électorale, donc, c'est le président qui décrétait les couvre-feux. Affirmatif. Et simplement pour noter, à la lecture des lois dans le préambule,
on fait référence évidemment au décret de 1967 relatif à la participation des forces armées au maintien de l'ordre. Mais ce préambule, on remarque qu'il n'est fait référence à aucun décret réquisitionnant les forces de l'ordre le 5 janvier, ou encore moins le décret du 14 novembre 2010. C'est bien ça, monsieur le procureur. Très bien. Alors, j'aimerais revenir au 26 novembre 2010, donc 2 jours avant la période du vote du 28 novembre 2010, du deuxième tour. Et pour ce faire, je vais appeler la pièce CIV-OTP 0045-1183, qui est à l'onglet 227. Monsieur le Président, avec votre permission, si on peut afficher la pièce. Il s'agit d'un document de 2 pages. Vous reconnaissez ce document, Monsieur Mangou? Oui, c'est un document instituant un couvre-feu. Et si on... Juste, je vais avoir quelques questions. Si on pouvait maintenant montrer également la 2e page. Donc, c'est un document du 26 novembre 2010. Ça indique qu'il y aura un couvre-feu du samedi 27 novembre 2010 jusqu'au mercredi 1er décembre 2010 en soirée. Si on revient à la 1ère page, avec votre permission, Monsieur le Président. Très bien, si on pouvait laisser la page en entier comme ça. Alors, on voit... Je vais juste régler la question du préambule. Donc, on peut tous voir qu'il y a référence à ce décret de 1967. Et également, on fait référence au décret du 2010-306 du 14 novembre portant réquisition des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire, FANCI. On fait également référence au 16 mars 2007 portant création du Centre de commandement intégré, CCI, juste au-dessus. Alors, ma question est la suivante, Monsieur Mangou. Quand et qui a annoncé qu'il y était pour avoir un tel décret? Pardon, je n'ai pas bien compris. Quand a-t-il été question qu'un décret était pour être émis en date du 26 novembre? C'est quand la première fois que vous en avez pris connaissance ou vous l'avez appris qu'il y était pour avoir un tel décret? Comme je l'ai souligné précédemment, en fait, c'est l'autorité militaire qui, au vu de la situation qui prévaut, propose au président de la République la prise de décréter un couvre-feu. Donc, ce couvre-feu du 26 novembre, nous l'avons proposé parce qu'il y a eu déjà un fait antérieur qui a créé pas mal de blessés. En effet, le 19 novembre 2011, un groupe de jeunes proche du FPI, s'est rendu au QG du RHDP et a saccagé ce QG.
il s'en est suivi une bagarre de rue qui a fait près de 20 blessés. Donc, la période électorale s'approchant, les préparatifs de la période électorale s'approchant, nous avons donc proposé au président de la République qu'on prenne un décret pour permettre à ceux qui sont en train de mettre sur pied le matériel, hein, qu'une fois le matériel disposé, de nuit, les gens n'aillent pas saboter ce matériel. Donc c'est au vu du premier incident que nous avons proposé au président qu'on prenne un décret le 26 pour permettre à ceux qui sont commis à l'organisation de l'élection de se préparer sereinement pour que le lendemain, on puisse trouver le matériel sur place pour le vote. Quand avez-vous fait cette recommandation au président? Alors, généralement, nous faisons la recommandation soit 2 ou 3 jours avant pour permettre au secrétariat du président de taper le décret, de l'apprêter et puis voilà, de le signer et de le divulguer. Le président a-t-il annoncé qu'il allait prendre un tel décret? Oui, généralement, quand une fois que le président donne son accord et que le décret est tapé, le décret est communiqué à la population par voie de presse. Vous rappelez-vous le débat des chefs que vous avez suivi depuis votre résidence? Du 25 novembre 2010? Oui, alors là, il y a plusieurs décrets. Le décret du 26 n'a pas posé de problème. Juste un instant, écoutez ma question. Oui. Le président Gbagbo, lors de ce discours, a-t-il fait référence à l'adoption d'un décret à venir? Non, il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas penser à un décret à venir si on ne lui a pas proposé de décret. C'est nous qui proposons toujours le décret de couvre-feu. Je vais reposer ma question parce que je veux juste qu'on s'entende bien. Lors du débat des chefs, donc, entre M. Gbagbo et M. Ouattara. C'est bien. Lors de ce débat-là, le président Gbagbo, est-ce qu'il a fait mention qu'il était pour adopter un décret, un couvre-feu? Justement, vous m'avez coupé parce que c'est bien à cela que je voulais en venir. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs décrets, il y a plusieurs jours qui sont concernés. Donc, c'est à cela que je voulais en venir. Pour vous dire que le décret du 26 novembre était donc consécutif au premier incident que j'ai signalé le 19 novembre. C'est ça qui a mené à la prise du décret. Donc, le 26, il n'y a pas eu de problème. Par contre, le décret du 27 novembre, qui, lui, se situe à la veille du deuxième tour des élections, a posé problème. Alors, à ce décret, ce jour-là, je crois que ça devait être un samedi. Oui, c'est un samedi, puisque dimanche, c'était le 28. Le président Compaoré, facilitateur de l'accord de Ouagadougou, est arrivé à Abidjan. Et ils se sont donc retrouvés à la présidence de la République. Le président Laurent Gbagbo, le président Blaise Compaoré, facilitateur de l'accord politique de Ouagadougou, le président Alassane Ouattara. Le président, pour discuter de ce décret, le président donc Laurent Gbagbo nous a appelés, les différents chefs des grands commandants. Il y avait le chef d'état-major des armées, le général Kassaraté, le général Brindou et le général Guébipoint pour nous demander s'il était opportun de maintenir ou d'annuler le décret. Compte tenu de la présence de ces éminentes personnalités, nous, on était gênés, on ne pouvait pas se prononcer. J'ai proposé que le président
se prononce. Le président, en présence du président Blaise Compaoré, a dit qu'il n'y aura pas de décret, qu'il n'allait pas décréter le couvre-feu. Mais au départ du président Blaise Compaoré, le président a signé d'autorité le décret pour qu'il y ait couvre-feu. L'opposition donc a manifesté son mécontentement et au niveau d'Abobo, il y a eu des manifestations qui ont dégénéré et ça a occasionné 3 morts. Voici pour ce qui est du décret du 27 novembre. Concernant le décret du 28 novembre, qui devait donc intervenir tout juste à la fin des élections, nous avons proposé, parce que nous, quand nous proposons, notre souci premier, c'est un souci sécuritaire. Donc moi, j'ai proposé au président qu'on comprenne un décret. C'est que je peux continuer? De prendre un décret. Donc, avant de signer le décret, le président de la République nous a convoqués à sa résidence à Cocody. Mais cette fois-ci, avec le Premier ministre Soro. Et quand il a posé la question de savoir s'il fallait signer ce décret ou pas, le premier à prendre la parole a été le Premier ministre Soro, qui a dit que, président, bon, les élections viennent d'avoir lieu, c'est le moment de collecter les résultats, donc ramassage des urnes pour collecter les résultats. Les gens ne verraient pas d'un bon œil ce décret. Ils vont penser que nous sommes en train de faire le bourrage d'urnes et autres. Donc, monsieur le président, je vous propose de renoncer à ce décret. À la suite du Premier ministre, j'ai pris la parole pour dire, monsieur le président, c'est vrai que nous vous avons proposé, je vous ai proposé de prendre un décret pour des raisons sécuritaires, mais compte tenu de ce que vient de dire monsieur le Premier ministre, je suis d'avis avec lui, cela pourrait prêter à interprétation. Donc, il serait souhaitable que le décret ne soit pas pris. Mais là, le président aussi a signé le décret d'autorité. Voilà donc ce que je peux dire concernant le décret du 27 et du 28 novembre. Alors, on va tenter de clarifier tout ça pour la Chambre. Alors, j'aimerais, on l'a présenté précédemment, nous avons le journal officiel. Et j'appellerai la pièce CIV OTP 0018 0047, et je vais vous peut-être en montrer une, et c'est à l'onglet 86, c'est déjà soumis au dossier, on l'a vu précédemment. Juste un petit instant, l'onglet 86. Nous en avons une copie pour le huissier audiencier, parce qu'il fait plusieurs pages. Donc, avant de le regarder, on va le passer en revue, M. Mangou. Je veux juste clarifier certaines choses. Qu'a dit le président Gbagbo lors du débat des chefs à ce sujet? Le couvre-feu. Oui, il a dit au président Compaoré. Écoutez ma question. Oui. Lors du débat des chefs, entre M. Gbagbo et M. Ouattara. Oui. Qu'a dit M. Gbagbo au sujet du couvre-feu à M. Ouattara? C'est bien de ça que je veux parler. Vous avez dit M. Compaoré. Ah oui, puisque le président Compaoré était là. Lors du débat des chefs télévisé,
Les deux chefs s'affrontent un à un. Ah, d'accord. Le débat historique. D'accord. But excuse me, don't we have this... Excusez-moi. Est-ce que nous n'avons pas l'enregistrement de ce débat, monsieur le procureur? Le procureur, non, nous ne l'avons pas, monsieur le président. Mais en fait, si la Chambre souhaite l'obtenir, c'est un enregistrement qui est disponible publiquement. Il est en accès libre. On pourrait l'enregistrer, mais c'est à la Chambre de le demander parce que nous avons dépassé le délai qui nous permettait d'ajouter des éléments de preuve matérielle. Mais vous avez le pouvoir de le demander. Juge président, je connais les limites de mon pouvoir. Le procureur, chevauchement des interlocuteurs, le président. Non, c'était voir si c'était une expérience, voir si le témoin s'en souvenait. Le procureur, non, c'est simplement que nous n'avons pas, ce n'est pas une expérience, nous voulions voir en fait si le témoin s'en souvenait. Simplement, je ne voulais pas passer 2 heures et 50 minutes ou 15 minutes là-dessus. Nambagbo a dit ou a annoncé lors du débat télévisé au sujet de ce décret. Tout simplement, la Chambre peut... Le juge président. Pour autant que vous en souveniez, M. Mango. Président, je n'ai pas fait attention à cette partie. Nous, ce qui nous intéressait dans ce programme, dans ce débat des chefs, c'était plutôt le programme de chaque candidat. Donc, je n'ai pas fait attention à cette partie. Très bien. Alors, nous avons vu hier, si on revient au décret du journal officiel, on a vu dans les jours précédents le décret réquisitionnant les forces de l'ordre, c'était à la page 0048. Mais maintenant, j'aimerais qu'on aille directement à la page suivante, ce qui suit le décret donc du 14 novembre, à la page 0049. La colonne de gauche, lorsqu'on voit le décret numéro 10-307, donc en ordre numérologique après le décret du 14 novembre, vous avez la copie papier devant vous, M. Mangou, si vous regardez la troisième page du document. Alors, on dénote un couvre-feu. Donc, c'est le même décret que vous avez vu en version simple. Mais là, ici, on l'a en journal officiel. Oui. OK? Et après, on peut regarder le prochain décret. Le 308 du 1er décembre 2010, portant prorogation du couvre-feu. Donc, c'est la colonne de droite. C'est le décret 308. Et après, on a le décret du 5 décembre portant nomination du premier ministre suite aux résultats, aux élections. Décret 309. Alors, ma question est la suivante. Le journal officiel indique un seul décret, le 26 novembre. Alors, qu'en est-il? Juste comprendre. Parce que vous avez parlé d'un décret le 27, un décret du 28, mais le journal officiel ne reflète pas cela. Êtes-vous capable de nous expliquer un petit peu, revenir sur la trame factuelle? Mais ça, je ne peux pas. Il y en a qui sont chargés de mettre à jour le journal officiel. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas de ma responsabilité. Donc, je ne peux pas répondre à la question. Donc, pour qu'on comprenne bien votre témoignage, il y a un décret qui a été adopté aussi le 27 et un autre le 28. Oui. Donc, qui existe. Oui. Et qui serait entre le décret adopté le 26 novembre et le décret du 1er décembre qu'on voit au journal officiel. C'est bien ça. D'accord.
pour la journée du vote en question, outre l'incident qu'il y a eu lieu entre des jeunes le 19 novembre, vous avez eu des contacts donc avec le président? Y avait-il raison qu'il y ait un couvre-feu d'adopter d'un point de vue sécuritaire à ce moment-là pour la tenue du vote le 28, selon votre évaluation de la situation sur le terrain à ce moment-là? Oui. Selon mon évaluation, selon les renseignements que je recevais, il y avait nécessité d'instaurer un couvre-feu. Parce qu'on était très proche du vote. Et si jamais les gens saccageaient le matériel du vote et les différents bureaux du vote, vous comprenez que le 28, la commission électorale indépendante allait avoir beaucoup de problèmes. Pourquoi donc avoir plus tard, si je reprends ce que vous avez dit plus tôt ce matin, lors de la rencontre avec le Premier ministre et le Président, d'avoir à ce moment-là de revenir et dire qu'il n'y a pas nécessité d'un couvre-feu? Parce que les arguments avancés par le Premier ministre étaient valables. Instaurer un couvre-feu au moment où on est en train de ramasser les urnes, de récolter les résultats, automatiquement ferait croire aux gens qu'on est en train de procéder à un bourrage d'urnes. Parce que les conditions du couvre-feu, c'est que la population ne sort pas. Et là, le couvre-feu autorisait uniquement ceux qui travaillaient dans le cadre du vote. Donc, ça pourrait laisser penser que bon, le pouvoir était en train de gonfler les urnes, de mettre de faux résultats. Donc, voilà. J'ai suivi le Premier ministre parce que son argumentaire était valable. Donc, le jour du vote, il n'y avait plus nécessité, selon vous... Le président... Là, il y a une contradiction, en tout cas dans la version anglaise du compte-rendu d'audience, parce qu'à la page 7 de la ligne 14, parce que les arguments du Premier ministre n'étaient pas valables, et puis à la ligne 18, il est écrit parce que ces arguments étaient valables. Voilà. C'est la version anglaise du compte-rendu d'audience, monsieur. Est-ce que les arguments... avancé par le Premier ministre, est-ce qu'ils étaient valables ou pas valables, monsieur? Avancé par le Premier ministre était valable. OK. So we have to... Le président, d'accord. Merci. Donc il va falloir corriger la ligne 8. Et maintenant, oui, c'est beaucoup plus compréhensible, effectivement. Monsieur McDonald, c'est à vous. Monsieur McDonald, merci, Monsieur le Président. Il y a toujours un décret en vigueur en date du 28 novembre 2011. C'est bien cela? C'est bien cela, puisque le décret a été signé d'autorité par le Président Laurent Gbagbo. Alors... toujours donc à la page 0049, on note qu'il y a un décret le 1er décembre 2010 qu'il y a une prorogation du couvre-feu. Et encore une fois, je note dans le préambule le décret 67-332 de 1967. Et également celui du 16 mars 2007 portant création de la CCI et
réquisitionnant les forces de l'ordre, FANCI, du 14 novembre 2010. Je veux vous montrer une vidéo. Et cette vidéo date du 6 décembre. Il s'agit de la pièce vidéo 00480493. Excusez-moi, j'ai le mauvais... Excusez-moi, je reprends. Je reprends. La vidéo est le 0075-0061. C'est à l'onglet 481. Nous allons présenter les minutes 9:22 à 12:41. Le transcrit se trouve à l'onglet 536. Il s'agit de la pièce 00870828. Alors, si on pouvait juste regarder et on revient avec des questions, Monsieur Mangou. Décret numéro 2010-310 du 6 décembre 2010 instituant un couvre-feu. Le président de la République, vu la Constitution, vu l'accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007 et ses accords complémentaires, vu la loi numéro 60-209 du 27 juillet 1960 portant création des forces armées nationales, vu la loi numéro 61-209 du 12 juin 1961 portant organisation de la défense et des forces armées nationales, vu la décision numéro CI-2010-EP-34-03-12-CCSG du 3 décembre 2010, portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010, vu le décret numéro 67-332 du 1er août 1967 relatif à la participation des forces armées au maintien de l'ordre, vu le décret numéro 2007-82 du 16 mars 2007 portant création du centre de commandement intégré CCI, vu le décret numéro 2010-32 du 4 mars 2010 portant nomination des membres du gouvernement modifiant et complétant le décret numéro 2010-28 du 23 février 2010, vu le décret numéro 2010-42 du 25 mars 2010 portant attribution des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2010-306 du 14 novembre 2010 portant réquisition des forces armées nationales de Côte d'Ivoire FANCI, vu le décret numéro 2010-308 du 1er décembre 2010 portant prorogation du couvre-feu, vu l'urgence décrète. Sorry, we can stop the translation. Thank you. It's okay because... Monsieur McDonald, oui. Vous vous êtes interrompu un peu plus tôt que prévu. Nous étions interrompus à décret. Enfin, la vidéo s'est interrompue. Nous avons le décret à proprement parler. Monsieur le Président, donc moi je voudrais m'en tenir au préambule
Je ne voulais pas montrer toute la vidéo. Donc, je voulais m'arrêter ici au préambule parce que c'est ce qui est important pour l'accusation et pour, je dirais, à l'intention de la Chambre que le décret fait l'objet de la pièce CIVOTP 0048 0493, page 0495. And if we could call that, please. Est-ce que ce document pourrait être affiché, je vous prie? Merci. C'est la page 0494 qui m'intéresse. La greffière d'audience, ce sera sur le canal Évidence 1. Donc, monsieur... Monsieur Mangou, reconnaissez-vous ce type de document du colonel Koku Sakurone? Oui. Donc là, ce document du colonel Sako montre bien que le décret a été pris. Donc par conséquent, il faut informer toutes les unités de la prise du décret. Donc, à chaque décret, est-ce que c'est la procédure qui est suivie? Il y a transmission de la part de l'état-major ou le CPCO, si on veut, à toutes les forces de défense et de sécurité? Absolument. Et juste pour confirmer, si on regarde à la page 0495, donc la première page du décret, encore une fois, on l'a entendu également, je le note pour les fins du dossier, on réfère au décret relatif à la participation des forces armées au maintien de l'ordre du 1er août 1967. On réfère encore à la création du CCI. On réfère encore à la réquisition de l'armée du 14 novembre. Alors, je voudrais vous apporter un peu plus de précision parce que je pense que votre préoccupation est basée sur le préambule. Ce n'est pas nous qui confectionnons le décret. Nous, on ne fait que proposer. Maintenant, ceux qui le confectionnent, ils ont leur manière de faire. Ils prennent un certain nombre de lois qu'ils mettent en préambule et à la fin, le test du décret. Mais ce n'est pas nous qui confectionnons ça. Vous l'avez précisé, c'est le président qui décrète. Oui, qui décrète. C'est le président qui décrète. Oui. Vous, vous exécutez à ce moment-là le décret. C'est bien ça. D'accord. C'est bien ça. C'est tout simplement... Le président, il y a superposition des voix. Tout le monde parle en même temps. Maître Hendry. Monsieur le Président, le procureur a sa réponse à lui-même parce que j'avais voulu faire une objection à ce niveau. Ça fait plus de 5 fois depuis ce matin qu'il revient sans cesse sur le préambule, mais sans poser de questions aux témoins. Donc, je pense qu'il faut comme je l'ai dit, je pense, hier ou avant-hier, nous savons tous lire ici, Monsieur le Président. Si on ne doit pas poser des questions consécutivement à une lecture qu'on fait, je pense qu'il est préférable de s'en passer. Le Président, Monsieur le Procureur. Où voulez-vous en venir en présentant ce préambule, Monsieur MacDonald? Monsieur le Président, je vais devoir demander aux témoins de quitter le prétoire pour répondre. Je m'en excuse, Monsieur le Président, mais je ne peux vous en dire davantage, le Président. Bien, Monsieur Mangou,
Madame Lucière va vous accompagner hors du prétoire pour quelques minutes. Merci. And I will go further. Monsieur MacDonald, et je vais aller un peu plus loin même, Monsieur le Président. Je voudrais passer à huis clos partiel pour vous apporter ma réponse. Le Président, bien, nous allons passer à huis clos partiel. Nous sommes à nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Je vois que le témoin revient dans le prétoire. Yes, le Président, bien. Monsieur Mangou, vous m'entendez? Le Président, bien. Je redonne la parole au représentant du bureau du procureur. Vous avez la parole, monsieur le procureur. Il y a reconduction ou prorogation du couvre-feu aux mêmes conditions. C'est bien cela? C'est bien cela. D'accord. Si vous me permettez un petit instant, Monsieur le Président, à la lumière du... J'aurais besoin de 30 secondes pour voir la suite du sujet que je vais faire à la lumière de l'exposé que je vous ai fait. Très bien. Alors, M. Mangou, je vais vous amener donc au 5 janvier. Nous reviendrons en décembre, mais je vais aller directement au 5 janvier. Donc, vous avez déjà expliqué le 5 janvier que vous avez une rencontre au palais avec le président, les généraux, les deux ministres. Maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de peut-être préciser la date, car je vais vous proposer qu'elle a eu lieu le 4 janvier. J'appellerai, Monsieur le Président, la pièce CIV. OTP 0035-1279 à la page 1297. Nous avons une copie papier pour le témoin, ça va peut-être aider. Il s'agit de plusieurs de... Le Président, Madame Lucière, pourriez-vous remettre la copie papier au témoin? Merci. Donc, M. Mangou, allez directement à la page 1297. Si vous regardez en bas de page, ce que nous, on appelle un ERN, Evidence Registration Number en anglais. La page est intitulée « Programme des rencontres et audiences du président de la République ». Les quatre derniers chiffres, c'est 1, 2, 9, 7. Oui. D'accord. Pardon. Mardi, il y a une entrée. Donc, mardi 4 janvier, on peut tous lire.
palais de la présidence au plateau et on indique qui, les personnes qui sont présentes. D'accord? Oui. Avant de poser ma question sur la date, j'aimerais appeler un autre document, tout simplement pour situer la date. CIV OTP-0003-0598, onglet 68, sur notre liste des éléments à charge pour ce témoin. Nous avons également une copie papier un article du je vois pas la date, je crois que c'est du 5 janvier 2011. Le présent, c'est du 5 janvier, monsieur. Tout simplement pour établir la date. Alors, M. Mangou, vous pouvez mettre le document de côté. Ma question est, à la lumière de ces deux documents que vous venez de voir, est-ce que là, ceci vous aide à vous rafraîchir la mémoire, que la rencontre à laquelle vous faites référence aurait plutôt eu lieu le 4 janvier 2011? Non. Il ne s'agit pas de cette rencontre. Celle qui a eu lieu le 5 janvier 2011 a eu lieu dans la nuit. Je vous avais dit aux environs de 21h30. Par contre, celle du 4, je suis encore en train de chercher l'objet de la rencontre. Poursuivons. J'aimerais qu'on discute maintenant de cette opération du 11 janvier 2011. Qu'en est-il, au juste? Vous avez déjà, évidemment, donné un début de réponse les deux derniers jours, mais maintenant, on a l'occasion d'aller plus en détail. Donc, qui a pris l'initiative de donner instruction pour la conduite de cette opération? Qui a décidé? Pour l'opération, l'opération du 11, vous voulez dire? 11 janvier? L'opération du 11 janvier 2011. Celle menée par la police nationale. Je vous écoute. Alors, pour l'opération menée par la police nationale, je vous ai expliqué ici que dès que nous avons reçu le décret de réquisition dans la nuit du 5 janvier 2011 aux environs de 21h30, ça devait être un jeudi, nous nous sommes retrouvés le lendemain, vendredi 6 janvier 2011, à l'état-major des armées, pour voir comment est-ce que nous allons déployer les troupes sur le terrain. Et dans nos discussions, le directeur général de la police nationale nous a dit que ce qui se passait à Bobo était du ressort de la police nationale et que ça relevait d'une opération de maintien de l'ordre. Donc je lui ai dit, OK, vous pouvez y aller. Donc cette opération s'est menée
au sein du PC Minos, qui est le PC du ministère de l'Intérieur. Brièvement sur le PC Minos. Alors, juste un instant, écoutez ma question. Aviez-vous un représentant des forces armées au sein du PC Minos? Non, l'état-major n'a pas de représentant au sein du PC Minos. D'accord, on reviendra. Le PC Minos, à votre... Donc, expliquez-nous brièvement, c'est quoi? Parce que la Chambre a déjà entendu le témoin 46, mais, c'est-à-dire M. Bredou-Mbia, mais juste pour clarifier. Alors, le PC Minos au sein du ministère de l'Intérieur, c'est un PC qui a mis sur pied pour gérer les opérations de maintien de l'ordre. Voilà. Donc, dans les opérations, la gestion de maintien des opérations de l'ordre, il y a les policiers, il y a les gendarmes. Et cette gestion est entièrement à la disposition, est faite par le directeur général de la police nationale. Très bien. Je vais appeler la pièce qui a déjà été soumise au dossier, pièce de l'accusation 0045-1429, et plus spécifiquement à la page 1431. Si on pouvait afficher, s'il vous plaît. Nous avons aussi une copie papier au besoin, si jamais vous n'avez de la difficulté à lire à l'écran, c'est pas évident. Alors, évidemment, il s'agit d'un rapport de l'opération de sécurisation d'Abobo PK-18 en date du 13, un rapport du 13 janvier 2011. On voit bien que ça vient de la CRS, mais là n'est pas mes questions. En référence au FRAGO numéro 68/MA, /CPCO, c'est la référence. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît? Bien sûr que, avant qu'on ne définisse les deux phases de l'opération, à Abobo, il y avait continué à avoir des mouvements, il y avait continué à avoir des morts, et avant que la police ne prenne position, l'opération a été préparée la veille, à 03 heures du matin. Donc, en fait, à 03 heures du matin du 11 novembre, une opération qui a été préparée avant que la police ne prenne position à Abobo. Et pourriez-vous nous expliquer, ça veut dire quoi, ça? Donc, le rassemblement, briefing, 3 heures du matin, sous les ordres du commandant Touali. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que c'est lui qui va mener les opérations sur le terrain ou qu'en est-il? Non, si vous voulez, ça s'est traduit un peu comme une opération de patrouille.
Il est parti dans la zone pour patrouiller, mais ce n'est pas Toili qui prend en compte l'opération de police. La première phase de l'opération dont je vous ai parlé est entièrement gérée par la police. Donc, expliquez-nous ce qui en est au juste de l'opération. Comment cette opération a-t-elle été conduite et en quoi consistait-elle? La première opération? Celle du 11 janvier 2011. Okay. Celle dont M. Toili fait un briefing. Le commandant Toili fait un briefing aux forces présentes. Donc, celle dont le commandant fait un briefing aux forces présentes, il s'agit donc, comme je l'ai souligné, une opération de patrouille dans la zone d'Abobo. L'opération de patrouille consiste donc à récolter le maximum de renseignements sur un certain nombre de faits, à recueillir des indices, à voir s'il n'y a pas de confrontation ou bien s'il y en a, et puis de faire un compte-rendu au commandement. Cette opération du 11 janvier avait-elle quelque objectif que ce soit autre que ce que vous venez de nous décrire? Pas du tout. Toutes les opérations militaires sont menées dans le sens de la défense de l'intégrité des gens. Je veux dire, de la sécurisation des personnes et des biens. Voilà, il n'y a pas d'autre objectif que les opérations militaires que nous menons. Pourquoi est-ce que vous alliez à Abobo faire une opération de cette nature? C'est ce qu'on essaie de comprendre au juste. Aux petites heures du matin, pourquoi? Alors, il faut savoir que nous sommes les forces de défense de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons pour mission d'agir au profit des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Et si nous estimons qu'à Abobo, il y a des tueries qui se font, à Abobo, la population ne s'y sent pas bien, ben, nous menons des opérations de patrouille de manière à rassurer cette population, à relever des indices, comme je l'ai souligné, à voir ce qui ne va pas, pour pouvoir rendre compte au commandement. Donc, il n'y a pas qu'à Abobo, il n'y a pas qu'à Abobo. Peut-être que vous avez le compte rendu d'Abobo, sinon, dans la zone Koumassi-Markouri, cette zone était dévolue aux gendarmes commandos et à la base aérienne d'Abidjan, qui ont effectué des patrouilles. Tout comme à Yopougon, des patrouilles ont également été effectuées par la gendarmerie du Toit Rouge. Donc il n'y a pas que qu'à Abobo qu'on a fait les patrouilles. On a fait les patrouilles dans pratiquement tous les quartiers. Monsieur le témoin, Monsieur Mangou, pardon, j'aimerais vous revenir à un autre document, toujours portant sur cette même opération. C'est un document du 19 janvier 2011 et c'est le numéro de l'accusation 0046-0316 qui a été soumis au dossier déjà par nos collègues de la Défense. Nous en avons également une copie papier, car c'est un document qui est quand même assez long. Avec votre permission, si on pouvait en remettre une copie au témoin. It's not on a... Le micro est coupé, malheureusement.
Alors, juste pour qu'on... Je ne sais pas si on est à la même page. Est-ce qu'on est à la première page, le 0046-0316? Yeah, it is. On est à la bonne page. Oui, excusez-moi. Alors, monsieur le témoin, on voit qu'il s'agit toujours, mais cette fois-ci, du ministre de l'Intérieur. Et on fait rapport sur les événements. Donc, c'est un document plus complet. Alors, je vous pose la question, tout simplement, au niveau de s'est-il produit des incidents, de malheureux incidents, lorsque vous avez fait cette opération? Oui, bien sûr, il s'est produit des incidents. Je crois qu'il y a eu, des blessés. Il y a eu des blessés. Il y a eu des morts. Il y a eu des blessés et puis il y a eu des morts. Alors, la première opération dont je vous ai parlé, la patrouille, elle est différente de celle dont vous venez de me remettre la copie tout à l'heure. La police, bien que déployée, a par moment besoin de faire des fouilles. Et pour que ces fouilles soient efficaces, elle a besoin de l'armée. L'armée n'intervient pas dans les fouilles. L'armée fait un bouclage de la zone et la police procède à la fouille. Parce que eux, ce sont des officiers de police judiciaire, donc ils sont habilités à faire des fouilles. Ce que nous avons fait ici, dans le deuxième document que vous nous avez présenté, les éléments défensifs qui ont apporté leur concours à la police ont fait le bouclage de la zone pour permettre aux policiers de travailler. Et si on reprend, monsieur le témoin, hier, le président vous a montré un document, un BQI, vous a posé des questions à ce sujet. Mais maintenant, j'aimerais vous amener à la dernière page de ce document, si vous regardez la page 0331. Et donc, après l'opération, les troupes reviennent à la place d'armes de l'état-major. Alors, que s'est-il produit au juste? Alors, les troupes reviennent à l'état-major. Quand elles reviennent comme ça, il y a un débriefing de l'opération à faire. Donc, ils nous rendent compte de la manière dont l'opération s'est passée. Et à l'issue du débriefing, les troupes rejoignent leurs unités. Donc, il y a un débriefing le 11. Oui. Au sujet de l'opération. Oui. Toute opération militaire commence par un briefing. Après exécution de l'opération, on fait toujours un débriefing avant que les éléments ne rejoignent leur base. Quels étaient les lieux fouillés lors de cette opération de bouclage? La zone qui a été bouclée, je crois que c'est la zone du PK-18. Voilà, la zone du PK-18 qui a été fouillée. Ils ne nous précisent pas s'ils sont entrés dans les maisons, s'ils sont entrés, mais on nous précise en gros la zone qui a été fouillée, la zone où le bouclage a eu lieu et où la fouille a été faite. Et vous fouillez pourquoi? Vous savez, quand on est en crise, on cherche toujours à avoir des indices, à avoir le maximum de renseignements.
Et quelquefois aussi, on fouille parce que, bon, mais vous pouvez avoir des personnes mal intentionnées hein, qui ont avec eux des armes alors que ces personnes ne sont pas habilitées à les porter. Et voilà, c'est pour avoir le maximum de renseignements dans une zone donnée. Et à ce moment-là, la police, le DGPN, la gendarmerie et les FANCI, les forces armées, en soutien toujours, en appui, agissent en vertu de quelle autorité juridique? Alors, quand l'armée vient en renfort à la police dans le cadre des fouilles, l'opération est pilotée par un officier de police judiciaire. Ça peut être soit un gendarme, soit un policier. Juste la question, est-ce que vous vous rappelez en vertu de quelle loi ivoirienne vous permettait l'autorisation? Qui autorise, qui permet ce genre d'opération? Qui, donc, l'ordonne? Ce sont des opérations qui rentrent dans la compétence de l'armée. Hein. Vous pouvez, c'est fait toujours dans un souci sécuritaire. Il n'y a pas d'autorité qui dise, bon, écoutez, allez faire la patrouille. Ça, c'est du ressort du chef d'état-major des armées qui, quand il sent qu'il a des informations sur une zone, peut demander à une patrouille d'aller faire la sécurisation, d'aller faire la patrouille dans cette zone. Donc, si on comprend bien, c'était une opération normale de maintien de l'ordre. Normale de maintien de l'ordre, une opération ponctuelle. D'accord. Quel a été l'impact de cette opération sur la suite des événements, sur la suite de la crise? A-t-elle eu un impact, cette opération, et la perte de ces hommes? L'impact et la perte de ces hommes? Monsieur le témoin. Monsieur le Président. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Mon intervention sera brève et visera à obtenir de Monsieur le Procureur plus de précision parce que la question telle que posée ne permet pas. Elle est vague. L'impact, c'est vague, surtout sur une si longue période et avec des événements aussi nombreux et divers. When you say what was the impact of this... Le juge président, quand vous dites quel était l'impact de cette opération sur la suite des événements, c'est peut-être un peu large, Monsieur le Procureur. Le procureur, je vais reformuler. Les conséquences, les dommages aux forces de défense et de sécurité, dont la perte, cette opération a-t-elle eu un impact sur les FDS, sur la crise, sur la suite des événements dans les jours qui suivent? Toujours dans un ordre chronologique des événements. J'avoue que je ne comprends pas toujours la question, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que l'opération de bouclage, quand on l'a fait dans une zone, c'est pour voir si effectivement il n'y a pas d'armes, c'est pour voir aussi souvent s'il n'y a pas de substances hein, telles que les drogues et autres. Et puis, bon, voilà. Vous l'avez bien dit, M. Mango, vous êtes dans une opération du maintien de l'ordre. C'est bien ça. D'accord. Passons au 12 janvier. Donc, le lendemain. Y a-t-il eu, sans regarder, est-ce qu'on pourrait reprendre les documents, Monsieur le Président, peut-être, avec votre permission?
Est-ce qu'il y a eu une rencontre entre vous et les généraux le lendemain, au lendemain de cette opération? Alors là, c'est difficile de savoir s'il y a eu une réunion ou pas. Ce que je sais, c'est que dans la nuit du 11 au 12, nos policiers ont été attaqués. Nos policiers ont été attaqués. Donc certainement qu'à l'issue de cette attaque, il a dû y avoir une réunion à l'état-major. Et donc, je vais rappeler la pièce que la Chambre vous a déjà montrée. 0045-0359, CIVOTP, 0045-0359. Il y a un endo. Je vais vous montrer la deuxième page. Oui. D'accord. Alors, je ne rentrerai pas la question de zone de guerre, la chambre couverte, mais on voit qu'il y a une rencontre donc à 12h55 au CPCO menée par le colonel Sacco. Et je voudrais juste comprendre que vous, vous êtes présenté donc à la salle. Et là, il est mentionné qu'il nous a conseillé la vigilance car l'ONUCI a déjà balancé l'information et nous a donné sa bénédiction. Alors, qu'en est-il au juste de, si vous êtes capable, conseiller vigilance car l'ONUCI a déjà balancé l'information. Quelle info l'ONUCI avait-elle balancé à ce moment-là? Alors, je reviens sur ce que j'ai dit hier. J'ai dit, à mon niveau, ce document est nul et non avenu. Quand vous prenez les termes militaires qui sont dedans, ça ne veut absolument rien dire. La police, la gendarmerie ne peut pas appuyer l'armée. Ce n'est pas un document conçu par un militaire. De deux, on nous dit ici, c'est marqué brigade, entre parenthèses, Makaka, ça veut dire quoi, Makaka? Aucune signification, Makaka. Charlie 9. Oh, j'ai bien précisé ici les moyens dont nous disposions. C'est Makassi. On n'a jamais été à Makassi. Dans la position... BAE, Makassi. Oui, dans la position des forces que je vous ai données hier, je n'ai jamais cité Makassi. Qui était à Makassi? Pourquoi faire? Et qu'en plus, la personne est Charlie 9. Et la personne communique avec qui? On n'avait pas de poste de transmission. Je vous dis qu'on communiquait essentiellement au cellulaire. Donc, les Charlie 9, les Charlie 10, ça n'existe pas. Hein? C'est pas... Ma question, M. Mangou. Oui. On essaie tout simplement de comprendre. Merci pour les explications sur la valeur que vous attribuez à ce document, mais ma question est, a-t-il été question par vous de l'ONUCI? Monsieur le Président, s'il vous plaît. C'est ça ma Monsieur question? Monsieur le Président, s'il vous plaît. Est-ce que la Chambre pourrait demander à Monsieur le Procureur de ne pas perdre le temps de cette Chambre sur des choses aussi évidentes? Le témoin a dit et a répété avec fermeté
qu'il ne connaît pas ce document, qui est nul et non avenu. Ce sont des termes juridiques que nous comprenons tous. Est-ce que la Chambre pourrait demander au procureur de ne pas perdre le temps de cette Chambre? Le juge président. Bon, je reste de rester calme. Du fait de cette intervention, je crois que ce que moi je voulais dire, c'est que hier j'ai compris que ce document n'est pas un bon document, pour ne pas utiliser un autre terme. Alors, quand vous nous dites on reviendra à ce document, j'ai pensé à ce moment-là, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, maintenant, entre-temps, les choses sont claires. Là, à la lumière de la réponse du témoin. Le procureur, juste sur ce point, Monsieur le Président, avec toutes mes excuses, c'est un rapport sur lequel un témoin a témoigné. Et on voit d'ailleurs sur ce rapport qu'il est mis vu. Il nous a expliqué le genre de document que c'est. Et c'est un rapport sur lequel nous avons une discussion. Donc, je ne discute pas la véracité ou la précision des faits. Je lui demande si on a discuté de l'ONUCI. Et c'est tout. C'est la seule chose que je demande. Alors, c'est peut-être à la fois pertinent et admissible, parce que le poids que l'on va attribuer à ce document dans ces autres parties du document va influencer l'ensemble des éléments de preuve, y compris M. Mangou, qui ne le reconnaît pas, puisque c'est un document de police. Le juge président. M. Mangou, une question. Ce document, est-ce que vous reconnaissez quelque chose dans ce document qui est soit véridique, soit réel, valide ou non? Non, Monsieur le Président. Okay. Et je voudrais apporter les arguments, Monsieur le Président. C'est que les termes tactiques utilisés ne sont pas ceux que nous utilisons en tant que militaires. Un. De deux. Je vous ai défini quand est-ce que moi-même, j'ai pris la décision d'aller voir le ministre de la Défense pour lui proposer la zone de confiance. Or là, à la fin du document, c'est signalé que le général Mangou, c'est-à-dire moi-même qui suis concerné, annonce aux gens que l'ONUCI a informé. Mais c'est moi qui suis concerné, je vous dis que non, ce document, il est faux. Et vous me parlez de témoin qui est venu ici pour y attester par rapport à moi qui suis concerné. C'est moi qui suis concerné. J'ai dit non, que le document est faux. OK. So, le juge président, très bien. Donc, je crois que maintenant les choses sont claires et nous pouvons poursuivre. Monsieur le procureur, merci. Je vous rends la parole. Sorry, do you want... Le procureur. Monsieur le président, vous voulez faire la pause maintenant ou pas? Le juge président, désolé, je n'avais pas réalisé qu'entre-temps, il était 11 heures. Et que donc, c'est l'heure de la pause, en effet. On reprend nos travaux à 11h30. Et à ce moment-là, on entamera la deuxième session. Merci. L'audience est levée.